Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous pouvez le constater, je les porte sur mes mains. Ces jolies mitaines qui font très très classe en point pied de poule, très facile à réaliser. Vous pouvez faire le l'espace que vous souhaitez pour passer votre pouce comme ceci. C'est très facile, on va travailler en aller-retour. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, déjà, c'est un multiple de 2 pour commencer. Donc, on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 20, 1, jusqu'à atteindre. Il va falloir que vous calculiez en centimètres, ici, le tour de votre main, là où elle est la plus large. Vous prenez la longueur qui est la plus large et vous faites votre maille chaînette. Juste. Il faut que ce soit un multiple de 2 Donc je vous disais, on travaille en aller-retour, tac, 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 sans jamais couper les fils. Donc moi j'ai choisi de l'écru et du noir. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous Voyez, la couture on la voit pratiquement pas. Elle se confond, dans vraiment, elle se confond vraiment dans le motif. Là j'ai fait une couture en maille coulée ici également pareil ça se confond vraiment dans le motif mais voyez là j'ai peut-être pas assez celui-ci je l'ai peut-être pas assez fermé mais bon c'est pas grave après c'est vous qui allez décider de comment vous voulez faire vos ouvertures vos fermetures donc je vous montre à peu près donc j'ai fait 11 rangs en blanc sans compter le rang de finition en maille serrée hein. 11 rangs et j'ai 10 rangs en noir sur chaque mitaine, ça, moi, ça me donne, avec un crochet numéro 4, ça me donne cette longueur. Voilà jusqu'où ça va, jusqu'à sur l'avant-bras, vous voyez, ça couvre bien le poignet. Après, c'est vous qui allez décider de la longueur, si vous voulez les faire plus courtes, si vous voulez les faire plus longues, les faire monter euh, vraiment euh, où vous voulez, tout simplement. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est très facile à faire alors pour ce je vais vous faire un échantillon donc je vais commencer avec la couleur claire et je vais monter une maille chaînette paire multiple ou divisible par deux c'est pareil pour vous montrer un peu comment ça, comment on procède donc une deux trois 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 pour l'échantillon, je fais 12 mailles. Bien sûr, ça sera pas la taille d'une mitaine, c'est vraiment pour vous montrer comment on va faire. Donc, j'ai mon, nom, mon nombre multiple de 2, je rajoute une maille en l'air, et dans la deuxième maille, à partir du crochet, je viens faire une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais un jeté sur mon crochet je viens faire une bride maille suivante une maille serrée on va alterner comme ça jusqu'à la fin maille suivante un jeté sur le crochet une bride maille suivante une maille serrée maille suivante une bride une maille serrée la maille suivante, une bride. Maille suivante, toujours pareil, une maille serrée. Celle d'après, on fait une bride à côté une maille serrée dans la dernière une bride. Une bride mais que on, on ne va pas la terminer. On va faire on va passer uniquement dans les deux premières boucles et on va laisser ces deux boucles-là sur le crochet en attente. Parce qu'on va introduire la seconde couleur, la couleur contrastante. Donc moi, je fais un petit nœud coulant, j'attrape ma deuxième couleur, je glisse à l'intérieur des deux boucles et je termine en faisant une maille serrée. Une maille en l'air. On tourne le travail et on va glisser nos fils sur tout le fil de la première pelote, une première couleur. On va le glisser en même temps que l'on crochette. Donc ici on a terminé par une bride. Là, on va faire le contraire de ce qu'on aperçoit. Ici on a une bride, du coup, on fait une maille serrée. À côté, on a une maille serrée, on vient faire. Une bride, on crochette bien par-dessus tous les fils. La maille suivante, on a une bride, on fait une maille serrée par-dessus. Celle d'à côté, on a une maille serrée, on fait une bride. À côté, une maille serrée, on alterne, on fait exactement le contraire. Là, nous avons une maille serrée, nous faisons une bride par-dessus. Nous avons une bride, nous faisons une maille serrée par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'au bout. On va alterner à chaque fois de cette façon-là en variant les couleurs. Là, nous avons une bride, nous faisons une maille serrée. Nous avons une maille serrée, nous faisons une bride. Nous avons une bride, pardon, nous faisons une maille serrée. Et dans la dernière, forcément, puisque là, nous venons de faire une maille serrée on va faire une bride que l'on va terminer avec la couleur numéro 1. Donc je rentre dans la maille, je passe à travers mes deux premières boucles, je positionne mon fil sur l'avant et je termine avec ma couleur principale, ma couleur numéro 1. Une maille en l'air, on fera toujours une maille en l'air à chaque fois que l'on débutera un rang. Donc comme on a terminé par une bride, on commence, je vous laisse deviner, par une maille serrée maille suivante une bride maille suivante alors là comme c'est du noir c'est très très difficile à voir maille serrée la maille d'à côté on alterne une bride la maille d'à côté maille serrée une bride maille suivante, une maille serrée. J'ai pas pris la maille comme il fallait. Et je crochette bien sûr en gardant mon fil, ma couleur numéro 2, bien en dessous pour pouvoir la réutiliser au futur tour, le tour d'après. Une bride, une maille serrée, une bride. Une maille serrée. Dans la dernière, on termine par une bride que l'on va finaliser avec la couleur numéro 2, dans mon cas, c'est du noir. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire du noir et blanc et cru ou noir. Vous pouvez vraiment faire les couleurs qui vous plaisent, hein, qui vous intéressent. Une maille en l'air. Je tourne le travail, je laisse vraiment mon fil glisser sur le travail pour crocheter par-dessus. Ce que vous avez vu, à chaque tour, on a besoin de la couleur euh, contraste. Donc je fais une maille en l'air, ici j'ai terminé par une bride, je fais une maille serrée. Ici j'ai une bride, euh, j'ai une maille serrée pardon, je fais par-dessus une bride. Ici j'ai une maille serrée, j'ai une bride, je fais une maille serrée, j'ai une maille serrée, je fais une bride. Le contraire, à chaque fois. Là vous voyez que vous avez une bride, on les reconnaît, les brides, parce que les mailles serrées, ça forme un petit V, vous voyez, et les brides, elles sont beaucoup plus grandes. Donc quand on a une bride, on crochette une maille serrée par-dessus. Quand on a ce petit V qui représente la maille serrée, on crochète une bride par-dessus. Et ainsi de suite. C'est ce qui va nous donner ce joli motif pied de poule. Personnellement, j'adore ce motif. Je le trouve trop beau, trop classe. Il est vraiment distingué. Si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, euh, enfin peu importe, franchement, c'est un super joli cadeau à faire. C'est très très classe. Avec pas beaucoup d'argent, vous voyez. Hein, euh, j'ai utilisé, je les ai pas pesé mais ça doit même pas faire 50 grammes. Hein. J'ai même pas, je pense pas avoir utilisé 50 grammes pour les demi taines. Donc euh, avec une pelote euh, ou ouais, les deux pelotes, on va dire, de chez Action ou peu importe, où vous prenez vos, vos, vos fils, euh, franchement, vous avez de quoi faire. Vous pouvez faire plaisir à vos proches. Donc je continue. Là j'ai une maille serrée. Je fais une bride par-dessus. Là j'ai une bride. Je fais une maille serrée et je termine par une bride que je ne vais pas finir avec ma couleur noire, mais que je vais terminer avec ma première couleur. Maille en l'air. On n'oublie jamais la maille en l'air. Très important à chaque début de tour. Ici, je vous remontre une fois. J'ai terminé par une bride au rang précédent. Alors je repars. Avec une maille serrée et là j'alterne je sais qu'à côté je vais devoir faire une bride que après ma bride je vais devoir faire une maille serrée c'est un point qui est très très simple vous pouvez pas vous tromper vraiment les débutantes peuvent vraiment le faire c'est super facile à faire et puis je sais pas moi je trouve que ça a du, ça a du charme c'est classe ça fait distinguer voilà Surtout ces couleurs-là. Après, dans d'autres couleurs, oui, vous aurez aussi le motif pied de poule. Mais, euh, comment dire Ça sera pied de poule, mais ça ne sera pas réellement, en fait. Parce que pour moi, pied de poule, c'est noir et blanc. Voilà. Pour moi, après, les goûts et les couleurs, comme vous savez, ça ne se discute pas. Une maille serrée. Je, vous voyez, je crochète toujours par-dessus mon, mon deuxième fil, hein, tout le temps, hein, pour éviter d'avoir à couper mes fils, à faire des nœuds. Euh, voilà, je gagne du temps, j'en perds pas tant que ça. Je perds pas autant de ça que, fin, de fil autant que que l'on pourrait croire. Une maille serrée, dans la dernière, une bride. Simba, excusez-moi, il y a mon chien encore. Qui fait des siennes, donc la dernière bride, toujours on la termine avec la deuxième couleur maille en l'air. On n'oublie jamais la maille en l'air. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, alors vous pouvez mettre dans, la, dans le fin du côté que vous souhaitez en fait, parce que c'est réversible en vrai. Soit vous allez avoir les petits pieds de poule qui vont être en couleur blanc, ou soit vous allez les avoir couleur noire. C'est vous qui décidez. Vous voyez, ça ne fait pas le même rendu. Ça, c'est encore un autre choix. Donc, une fois que vous avez crocheté la largeur et la longueur souhaitée, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait. Alors, on va compter ensemble. Là, c'est la chaînette de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. J'ai fait 11 rangs avec le motif pied de poule en blanc, en écrus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, avec la couleur noire. Donc c'est vous qui allez décider, en fait, euh, de la hauteur que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous allez plier votre travail en deux. Et là, je ne vais pas vous apprendre la couture. De toute façon, ce n'est pas mon rôle. Ce que vous allez avoir à faire, vous, à la rigueur, vous mettez Simba, ça suffit. Vous mettez des petits marqueurs pour déterminer l'espace du pouce, et là vous faites une petite maille, une petite chaînette en maille coulée, ou comme vous voulez, hein, même à l'aiguille. Vous pouvez même coudre à l'aiguille. À la rigueur, je crois que j'aurais même dû le faire à l'aiguille, ça aurait fait un peu plus propre, je pense. Même si ça se voit pas trop, je trouve que ça aurait été un petit peu plus propre. Mais avant, donc vous avez là maintenant vous pliez en deux, vous faites votre couture en haut, en bas, vous laissez l'espace pour le pouce. Et une fois que vous avez fait votre couture, vous allez devoir faire une petite finition. Moi, j'ai fait une finition en mailles serrées tout le tour, vous voyez tout le tour, je l'ai fait en mailles serrées. En bas également. C'est vous qui décidez. C'est vous qui allez euh, customiser comme vous en avez envie votre paire de mitaines. Je vous montre encore une fois ce que ça donne. Tu fais doucement avec le chat. Doucement. Doucement Il est un peu brut. Il est jeune. Il n'arrive pas trop à faire la différence. Voilà ce que ça donne. Vous voyez à peu près la longueur. Je ne les ai pas mesurées, hein, mais franchement. Vous voyez au niveau de ma main et de mon avant-bras jusqu'où elles vont. Et puis on n'est pas toutes pareilles. On n'a pas toutes envie d'avoir une longueur comme ça. Il y, a, il y a certaines voudront des plus courtes. Donc c'est vous qui allez décider. Euh, moi, je vous ai dit, j'ai fait 11 rangs en noir plus le rang de maille serré. Et 10 rangs, euh, 11 rangs en blanc, pardon, et 10 rangs en noir. Donc avec un crochet numéro 4. Voilà, ça vous donne à peu près. Comme vous voyez, la dimension. Ici, c'est pareil. N'oubliez hein. surtout pas de prendre les mesures qui fassent le tour de la main. Ça suffit pour avoir vraiment l'espace le plus large ici, sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer votre main. Avec un multiple de 2, tout simplement. Donc voilà, alors je ne suis pas pressée de vous quitter, mais je vais aller régler les choses entre le chien et le chat. En attendant, moi je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je vous le dis tout le temps sur Instagram ou sur Facebook, sur la page Funny Crochet, euh, pour voir un peu votre travail, ce que vous avez fait, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Euh, et puis bah, je vous dis euh, bah, à la prochaine parce que je vous réserve encore pas mal de choses. J'ai pas mal crocheté ces derniers temps. J'ai eu pas mal de temps. On va dire que je suis un peu en avance dans ma formation. Donc j'ai eu pas mal de temps et je vous réserve pas mal de choses. Donc euh, je vous dis à bientôt. Salut, salut.